Salut les amis, bon là il y a 2 litres d'eau, 900 g de miel, un tonneau, un petit tonneau, et c'est-à-dire le décompresseur pour faire les bulles, parce que là je vais faire de l'hydromel en bouteille, et j'ai prévu de l'eau chaude, et voilà les amis. Je vais vous commencer à vous placer. Je vais vous placer, les amis, pour faire l'hydromel. Voilà. Voilà, là, je vais mettre l'eau. L'eau en bouteille. Je vais mettre directement l'eau chaude. L'eau chaude que j'ai délayée sur les 900 g de miel. Voilà. 900 g de miel. Voilà, que je délaye dans l'eau chaude. Voilà les amis, voilà que je délaye dans l'eau chaude. Voilà, on va bien délayer le miel. Le miel que j'ai mis, l'hydromel, c'est-à-dire pour faire l'hydromel directement avec de l'eau de bouteille. J'ai mis 3 litres d'eau. Pour 900 g de miel. 3 litres, c'est-à-dire ça fait 1 litre 5. Ça fait 3 litres d'eau. Voilà, je délaye bien comme il faut le miel. Voilà, qu'il soit bien délayé. Voilà. Là, on va bien délayer le miel. Les 900 g de miel avec l'eau chaude. Pour bien délayer tout le miel. Voilà les amis. Voilà que j'ai. Voilà, là c'est un. Comme ça je vais pouvoir le délayer bien comme il faut. Voilà, que ce soit bien délayé, qu'on récupère tout le miel que j'ai. Voilà. Là, je commence à le délayer à l'eau chaude, avec de l'eau chaude, voilà les amis, pour faire de l'hydromel maison, voilà, l'hydromel, voilà, je délaye tout le miel qu'on a mis, voilà, voilà, j'ai mis de l'eau, voilà, je vais commencer à le transvider directement. Voilà les amis, je mets toute la matière, voilà je filtre le miel, voilà, le restant du miel, voilà les amis, voilà, là je vais essuyer les débordements que j'ai fait, voilà, avec le miel, maintenant je vais rajouter l'eau, voilà, directement, voilà. L'eau pour mélanger l'eau avec le miel, voilà, c'est-à-dire les 3 litres d'eau pour 900 g de miel. Dans la bouteille, voilà, ça c'est fait, voilà, maintenant j'ai bien le mélangé, voilà, maintenant le bord botteur, je vais y remettre de l'eau. Voilà, le barboteur, voilà. Voilà. J'ai mis de l'eau dans le barboteur, voilà, pour que ça fasse des bulles. Voilà, maintenant, j'ai plus qu'à le mettre directement dedans. Voilà, pour que ça fasse des bulles, et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser faire. Voilà, les amis, voilà
la recette de l'hydromel que j'ai fait. Maintenant, j'ai plus qu'à laisser pendant 3 semaines, c'est-à-dire macérer l'hydromel. Allez, à plus, les amis.